Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo où je suis très très content de vous sortir. Tout simplement, je suis ici pour vous parler de ce produit qu'on m'a envoyé. Vous allez voir l'unboxing juste après. C'est un PC à 5 000 € et je peux vous assurer qu'il envoie du très très lourd. Je vais vous donner les avantages comme les inconvénients, les caractéristiques, tout ça, tout ça. Bref, juste avant, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout, allez voir en description parce qu'il y aura tout qui y sera. Bref, bon visionnage. Alors, tout simplement, les amis, j'ai reçu un PC incroyable. Regardez-moi ça. Boom, Republic of Gamer. C'est tout simplement le PC Asus ROG Zephyrus Duo 15. Vous avez la référence juste en dessous. Je peux vous assurer, les potes, qu'il envoie du pâté. Hein. Il vaut 5 000 €. Il est normalement incroyable. Je sais pas à quoi il ressemble. Enfin, je sais à quoi il ressemble. Enfin, je sais à quoi il ressemble, mais je sais pas comment il va être emballé, etc. Tu vois. Ah ouais, d'accord, c'est... Ok, il y a encore une boîte, ok. Ah mais... Oh, ils m'ont envoyé ça, c'est quoi? Ah, ça doit être les chargeurs, etc, je pense. Alors, il y a pas mal de choses, honnêtement. Il y a un chargeur. Voilà, classique, normal. Il y a... En fait, il y a... Ok, il y a encore d'autres... Ah, mais en fait... Ah d'accord, c'est juste pour le chargeur. Bah, du coup, après, il y a le câble. Hein. Bon, je vais pas vous montrer, hein, c'est un câble, hein, normal, quoi. Parce que dites-vous que là... Je crois que le PC il pèse 2,3 kg, donc en vrai c'est pas très lourd. Enfin, c'est pas très lourd. Pour la puissance du truc, c'est vraiment pas lourd limite. Il est. En vrai, le packaging est incroyable. Regardez, il est magnifique. Et là. Oh là là, en vrai de vrai. C'est magnifique. Oh là 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 là. Oh, regardez, même. Regardez. Quand tu lèves comme ça, ça lève le truc pour que tu puisses le prendre, le PC. Oh là 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 là. Là, les gars, je possède. Là, dites-vous que là, je peux aller sur la lune avec ce PC. Hein. Oh la puissance du truc. Ah ouais. Ah ouais. Attends, ça repose poignet. Oh, oh ouais, mais mec, il y a vraiment tout. Hein. Du coup, les potes, le PC, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc, c'est très très simple. Il y a quoi? Hop là, caractéristiques principales. On a un processeur Intel Core i9 10e génération qui envoie du très 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 lourd. On a 32 Go de RAM en DDR4. On a un écran de 4,6 pouces ultra HD, incroyable. On a un écran secondaire tactile. On a deux. Donc, on a un SSD de 2 Tera, donc vraiment insane. On a une puce graphique, donc les gars, la 2080 Super de chez Nvidia. Voilà, GeForce, insane aussi. Et ensuite, je vous laisse regarder toutes les caractéristiques, mais de toute façon, je vais les présenter dans la suite de la vidéo. Bref, je vous laisse regarder. Du coup, les potes, vous avez vu l'unboxing du PC. Donc, tout simplement, c'est un écran, donc pas 300 Hz, mais 60 Hz, mais 4K. Honnêtement, la qualité en 4K est vraiment incroyable. Tout à l'heure, je regardais des vidéos sur YouTube en 4K VS en 1080p. Il y a une réelle différence, surtout au niveau des contrastes. L'inconvénient de la 4K, malheureusement, c'est que si t'as pas la fibre, comme moi par exemple, ça met du temps à charger. Ça met du temps à charger, donc j'avoue que si vous n'avez pas la fibre, la 4K, pour le coup, c'est un petit peu pénible. Mais si vous avez la fibre, c'est le top, quoi. Ensuite, un truc que je kiffe vraiment sur le PC, et ça, c'est vrai que il y a beaucoup de PC portables qui ne l'ont pas, c'est qu'en fait, il est plus petit. Et tout simplement, le numpad, en fait, eh ben, au lieu que ça soit juste un pavé tactile, eh ben, on peut le transformer, comme vous le voyez juste ici. Soit en pavé tactile comme ça, ou soit en numpad. Ça, c'est vraiment pratique et honnêtement, c'est des petits détails que je kiffe bien. Du coup, les gars, au niveau des ports USB, on en a deux juste à votre droite avec un port USB-C. Personnellement, je l'aurais préféré à gauche. Pourquoi? C'est vrai que, à la limite, là, j'ai une souris sans fil, ça va. Mais quand on a une souris avec un fil, c'est vrai que le fil peut être un peu pénible. Mais bon, quand on a une souris sans fil comme moi, il n'y a aucun problème. Et il y a encore un port USB juste derrière, voilà, juste derrière ici. Donc, il y a eu au total 3 ports USB. Et si jamais vous n'en avez pas assez, vous prenez tout simplement un adaptateur USB type C vers plein de sockets USB et vous aurez largement la place. De l'autre côté, on a pour charger juste là et on a l'entrée audio et l'entrée micro. Et bien sûr, un PC comme ça, les gars, c'est obligé, câble Ethernet. Et ça, c'est pas mal. Un deuxième écran, même si on a déjà un deuxième écran là, ça sert pas à grand chose honnêtement. Mais si jamais vous voulez avoir trois écrans, et ben c'est tout à fait possible avec un câble HDMI. Un truc qui est assez surprenant sur le PC et qu'il faut savoir, c'est que quand vous jouez à des jeux de vidéo, vous ne pouvez pas jouer à plus de 30 ou à 60 FPS si vous ne chargez pas tout simplement le PC. Par exemple, je joue à Fortnite, à 30 FPS, s'il n'est pas branché. Si on le branche, on peut monter à 300 FPS sans aucun souci, mais il faut brancher le PC, quoi. Donc ça, c'est un peu, ça peut être un peu pénible, mais honnêtement, je vais pas vous mentir, à 240 FPS, la batterie, elle doit vraiment fondre. Donc autant brancher... Et puis et profiter un maximum tout simplement de la puissance du PC
Au niveau de la ventilation, très très bien ventilé. Je vous laisse juste. Il y a des aérations là, 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 là. Oula. Ici, ici, il y a des aérations. Hop là, quand on lève le PC, boum. Vous allez le voir là. Les aérations tout en dessous. C'est... En fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais en dessous, il y a des ventilateurs, etc. Et le processeur Intel est sous un espèce de liquide métal. Bref, au niveau de la ventilation, incroyable. Il surchauffe un. Enfin, il chauffe normal en fait. Donc rien n'est là-dessus. Il ventile très très bien. On sent l'air passer un peu partout. Par contre, ce que je conseille, c'est pas de le poser à plat sur une table. Je pense que le mieux, c'était d'acheter un petit socle pour qu'il puisse respirer parce que c'est vrai que dessous, c'est assez important. Ensuite, un petit défaut du PC portable, c'est qu'il n'y a pas de webcam. Je trouve ça un petit peu dommage de ne pas mettre de webcam. C'est vrai que ça peut toujours être cool parce que c'est un très très bon PC qui peut servir pour le stream. Et si on peut avoir directement deux écrans intégrés, donc le chat par exemple, ça c'est pas mal. Genre si vous streamez sur cet écran, sur ce PC en tout cas, vous pouvez avoir OBS d'un côté, vous pouvez avoir le chat d'un autre côté, sur le deuxième écran, et vous pouvez avoir le jeu. Et s'il y avait une petite caméra en plus, voilà, comme ça au moins ça mangerait pas de pain, ça serait plutôt cool. J'avoue qu'ils auraient pu la mettre, ça aurait pu être sympa, mais sinon très très bien. Ensuite le clavier, bien évidemment, sur quasiment 99,9% des PC portables, c'est un clavier à membrane. J'avoue que moi, je clavier mécanique depuis très longtemps, c'est très difficile pour moi d'être sur un clavier à membrane. Mais au pire des cas, ce que je fais, c'est que je branche tout simplement mon clavier mécanique à mon PC, PC portable, et ça marche très très bien. Et d'ailleurs, avec le PC et fourni un repose-poignet, comme ça. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas aimanté, ça aussi ça aurait pu être cool, un petit aimant, parce que ça a toujours tendance à glisser, mais toujours sympa de proposer un petit repose-poignet. Je peux vous mentir que c'est utile, parce que sinon ça casse un petit peu le poignet, quoi. C'est un peu le but, vous allez me dire, effectivement. Ensuite, un truc que j'ai bien kiffé, on appuie juste sur ce bouton, c'est le ROG, hop là, et vous allez voir les gars, et là, c'est là où on se rend compte que le PC, c'est pas un PC... Voilà, donc là, vous avez accès en gros à tout le PC, à la fréquence, à la mémoire stockage, à la température, à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et vous pouvez surtout choisir pas mal de choses. Et du coup, on peut choisir par exemple le mode performance juste ici ou le mode silencieux comme on veut. Et honnêtement, ça envoie du pâté, on a plein de... Il y a vraiment plein d'informations, super utiles. Je vais pas toutes vous les dire ici, mais vraiment pas mal. Ensuite, le deuxième écran, lui, qui est aussi en 60 fps, lui aussi, 60 fps, sauf que lui, bien sûr, n'est pas en 4K, mais il est vraiment pas mal, et surtout, il est tactile, et ça, c'est plutôt cool, voilà. Pour ceux qui se demandent au niveau du gaming, tout simplement, est-ce que ce PC portable, il est fait pour jouer? Honnêtement, je m'en servirais pas trop pour jouer, mais plus pour faire de la retouche photo, regarder des vidéos, des films, et pour faire du montage vidéo de haute définition. Pour jouer, honnêtement, ça reste un bon PC, mais je vous conseillerais pas plus celui-là, mais plus un autre où il y a un écran 300 Hz du coup. Parce que c'est vrai que là, forcément, c'est limité en 60 fps, 4K, donc c'est pas forcément le mieux pour jouer. Le pire des cas, vous branchez un écran, les gars, vous prenez un écran et vous le branchez en second écran et vous aurez du coup un écran 144 fps quoi. Alors, vous prenez un écran 144 fps, vous le branchez au PC portable. Et vous pouvez jouer 144 fps. Mais c'est pas, on va dire, le but de ce PC là. C'est vraiment tout ce qui va être photo, vidéo, etc. Parce que vraiment l'écran 4K, je le répète encore une fois, mais vraiment magnifique. Regardez, même la finesse de l'écran est insane. Hein. J'avais jamais vu. Honnêtement, c'est la première fois que j'ai regardé un documentaire en 4K sur les animaux. Et honnêtement, les images sont vraiment, vraiment belles. Sinon, sur Fortnite, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me connaissent grâce à Fortnite, j'ai à peu près 144 fps. Voilà. C'est à peu près 140. C'est pas énorme. C'est 140 fps à peu près en moyenne. Ça reste quand même un PC portable, les gars. Hein. C'est pas non plus un PC fixe. Mais 140 fps, ça reste quand même très, très correct. Mais c'est surtout qu'on peut jouer. C'est pas fait pour jouer du Fortnite. Ça, on n'achète pas un PC comme ça pour jouer à Fortnite. À la limite, si vous voulez faire des let's play, peut-être le nouveau Assassin's Creed qui est sorti. Profitez-en, genre honnêtement Assassin's Creed on peut y jouer en 60 fps, ça suffit largement et vous mettez ça en ultra HD, tout ce que vous voulez et profitez vraiment du jeu avec vraiment des couleurs magnifiques et je pense c'est ce que je vais faire. Bref les potes, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, allez voir tout simplement en description le produit. Honnêtement j'ai hâte de le tester, il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver sur la chaîne sur simplement ce petit PC portable. J'espère vraiment que vous avez kiffé parce que vous allez le voir souvent, même très souvent. Donc bref, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube. C'était Cocteau, ciao.